Alors, la première étape, c'est tout bête. Vous chopez la casserole la plus grosse de la maisonnée, casserole à pâte, la casserole à mémé, la casserole mousse. Alors, comme on est consciencieux, on va se boucher le toilette pour de vrai. Pour ce faire, eh ben on y va sans pitié. On met le rouleau en entier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tranquillement, on va quand même attendre que l'eau s'écoule un petit peu. Elle a toujours moyen de s'écouler. Alors, ça va peut-être prendre 5 minutes, ça prendra peut-être 2 heures. Mais au bout d'un moment, il ne restera plus que les matières solides qui feront bouchon. Mais on n'aura plus d'eau. Hop, une petite chasse. Par là-dessus. Et voilà. On est tranquille. Alors évidemment, à réserver quand c'est bouché par des matières fécales, du papier, des choses comme ça. Si évidemment c'est un objet plastique qui est tombé dans la toilette, les petits trucs qu'on met au bord des WC, des choses comme ça, là ça sert à rien de s'acharner avec l'eau chaude ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on risque, c'est de l'enfoncer plus profondément dans la canalisation. Là, il n'y a pas 36 solutions, c'est de mettre des gants et d'aller le chercher à la main, ce qui est moyennement sympathique, je le concède. En attendant, si cette petite méthode vous permet d'économiser et de l'énergie et de 3 sous et de passer pour un héros domestique, eh ben, je suis content de vous l'avoir donné. Salut !